Chers amis, bonjour. Très heureux de vous retrouver en ce vendredi 20 mars, quatrième jour de confinement. J'espère que les premiers jours ont été l'occasion de prendre un peu vos marques et que nous sommes maintenant partis dans ce bon temps de retraite. Aujourd'hui, nous attaquons à un morceau de l'évangile de Saint Jean et un morceau magnifique qui est l'évangile de la Samaritaine, chapitre 4 de l'évangile de Saint Jean. Texte très connu. Texte qu'on n'aura jamais fini d'expliquer, et ce n'est pas la prétention que j'en ai dans une petite vidéo de 10 minutes à peine. Commençons. Jésus devait traverser la Samarie. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la sixième heure. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé « et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu cinq, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu ?» ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger, c'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson ? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux, et il y demeura 2 jours.
Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. » Ce texte est riche, ce texte est long, et il va falloir choisir l'angle sous lequel on pourra le commenter. L'angle que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est l'angle de la miséricorde de Dieu. C'est d'abord la miséricorde, non pas que l'on cherche nous-mêmes, mais c'est cette miséricorde qui nous cherche, qui vient nous retrouver. En effet, Jésus passe dans le territoire de la Samarie. La Samarie, pour un juif, c'est un endroit un peu maudit, c'est un endroit où se cachent des faux juifs, des gens qui n'adorent pas, qui ne veulent pas adorer à Jérusalem. Voilà pourquoi certains, en remontant depuis la Judée vers la Galilée, il fallait passer par la Samarie, et bien certains décidaient de contourner ce territoire pour ne pas se souiller dans ce territoire de la Samarie. Et Jésus n'a que faire de ce genre de choses, il va dans le territoire de la Samarie, et il va précisément parce qu'il vient chercher la brebis égarée, il vient chercher en l'occurrence cette femme samaritaine. Il est assez surprenant d'ailleurs que cette samaritaine vienne puiser à la sixième heure du jour, c'est-à-dire à midi, à l'heure où il fait le plus chaud. Déjà, elle vient toute seule et en plus, elle vient à l'heure la plus chaude de la journée. Ce qui est contre les us et les coutumes du temps. On allait ensemble plutôt vers le soir ou le matin puiser de l'eau, et pas en pleine journée, en pleine chaleur. Et une raison qui expliquerait cela, c'est que cette femme était connue comme une pécheresse. Et on le voit dans la suite du texte, elle avait cinq maris, et elle ne devait pas être extrêmement bien vue dans la ville. Voilà pourquoi elle va toute seule et un peu à la dérobée, et bien puiser à ce puits. Et elle fait la rencontre de la miséricorde de Dieu, elle fait la rencontre de Jésus. S'instaure un dialogue magnifique qu'on n'aura jamais fini de relire. C'est vraiment quelque chose une pièce de littérature, surtout de la littérature de Saint Jean, où il montre vraiment tout son art littéraire qui est basé sur l'ironie. Saint Jean instaure un décalage très souvent entre ce que dit Jésus et ce que disent ses interlocuteurs. Comme s'ils ne se comprenaient pas, mais que le dialogue avançait comme une certaine forme de pédagogie pour nous faire nous avancer, nous faire nous convertir. C'est exactement ce qui se passe avec la Samaritaine. La Samaritaine ne comprend pas du tout à quel plan, à quel niveau se situe le discours de Jésus. À chaque fois que Jésus lui affirme quelque chose, quelque chose de spirituel, elle répond avec une réflexion plutôt terre à terre. Et cette ironie-là est pourtant porte du fruit, puisque elle se laisse faire par Jésus, par cette pédagogie divine, elle se laisse déroutée par les affirmations de Jésus, sur l'eau vive notamment, et finalement elle en vient à poser les bonnes questions. Où faut-il adorer? Si vous voulez, il y a toute une démarche de conversion. Bien sûr, elle ne comprend pas tout ce que Jésus lui dit, mais en définitive, elle arrive à la question fondamentale qui est « Où est-ce que je dois adorer ?» Et Jésus va lui répondre « Eh bien, on adore le Père en esprit et en vérité, il n'y a plus vraiment de lieu de lieu particulier où l'on puisse adorer. Les vrais adorateurs que le Père recherche sont des adorateurs en esprit et en vérité. » Donc c'est une première chose, la miséricorde vient à notre rencontre. Il y a aussi le fait que la miséricorde elle exige de nous une réponse. C'est-à-dire que Jésus vient nous chercher, c'est évident, mais la miséricorde est également exigeante. Souvent aujourd'hui on parle de miséricorde, et on oublie que cette miséricorde, très grande et trop grande pour qu'on fasse n'importe quoi avec, il y a une exigence. Et cette exigence morale que Jésus rappelle très délicatement à la femme, c'est la question maritale, la question de son mari. Et il n'est pas anodin que cette scène se passe à côté d'un puits. Pour quelqu'un qui connaît un petit peu la Bible, le puits, c'est le symbole parfait du mariage dans la Bible. Abraham envoie Eliezer, son serviteur, chercher une épouse pour son fils. Où est-ce qu'il trouve la future épouse d'Isaac, Rebecca, à côté d'un puits? Jacob, pareil, il rencontre sa femme à côté d'un puits. Moïse s'assoit sur le bord d'un puits et il voit arriver sa femme, Séphora. Donc le puits est vraiment le symbole de la première rencontre en vue d'un mariage.
Et si cette femme-là a un problème moral, mais particulièrement qui a trait à la morale du mariage, et que cette scène a lieu à côté d'un puits, ce n'est pas par hasard. Jésus veut nous montrer qu'il y a un message, lui, l'époux, vient à la rencontre de l'épouse qui est l'Église. Il vient à la rencontre de cette femme qui est l'image de l'Église. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est saint Augustin qui dit que la Samaritaine est bien la figure de cette épouse du Christ qui est l'Église. Donc Jésus vient à la fois nous montrer qu'il y a une exigence dans la miséricorde et qu'il y a une exigence pour l'Église. Pour nous, tous les membres de l'Église, nous avons ce besoin de conversion. Si nous voulons être à la hauteur de la miséricorde de Dieu, eh bien il va falloir nous convertir, il va falloir changer nos habitudes mauvaises, que ce soit dans le domaine du mariage ou non. Mais si l'on veut que l'Église que nous sommes les membres, si on veut que l'Église soit unie à son époux, qui est le Christ, eh bien il va falloir aussi y mettre du nôtre. Et enfin, cette miséricorde, elle se fait apostolique, évangélisatrice. Une fois qu'on a reçu cette miséricorde, une fois qu'on a bien voulu aussi l'accueillir, une fois qu'on en a compris toutes les exigences, eh bien, on se tourne vers les autres. On va aussi montrer aux autres cette miséricorde. On va la manifester aux hommes. Et c'est exactement ce que fait cette Samaritaine. Elle court dans sa ville pour annoncer qu'elle a rencontré sans doute le Christ. Elle va montrer aux autres. Elle a compris qu'il y avait là dans le Christ, dans la personne du Christ, un trésor, et elle vient l'apporter aux autres. Ce qui rejoint cette belle définition de l'évangélisation que j'ai trouvée chez Mgr Robert Barron, un évêque américain. Il disait que l'évangélisation, c'est un mendiant qui annonce à un autre mendiant qu'il a trouvé du pain. Et c'est exactement ce que fait la Samaritaine. C'est une mendiante, c'est quelqu'un qui n'était pas réglo-réglo avec la loi de Dieu, mais qui va voir d'autres mendiants pour leur dire « J'ai trouvé le Seigneur ». Eh bien, dans ce temps de carême, dans ce temps de sainte quarantaine, apprenons nous aussi à d'abord recevoir la miséricorde, accepter qu'elle vienne nous titiller, accepter ses exigences, deuxièmement, et accepter d'être apôtre aussi de la miséricorde. Demandons vraiment cette grâce à la Samaritaine et à tous les apôtres de faire découvrir les trésors de la miséricorde. Que Dieu vous bénisse.